Viens voir, Lucas. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale de la chaise pliante puisque nous allons tout simplement vous amener à la découverte de l'archipel des Comores. L'idée de cette nouvelle vidéo, c'est tout simplement de partir d'ici, donc de la Grande Comore, de Ntsaweni, mon village natal, donc en passant par Anjouan pour arriver à Mayotte, le 101e département français. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale de la chaise pliante consacrée à l'archipel des Comores et plus spécifiquement à l'identité mahoraise. Donc Lucas, ici c'est mon école coranique, donc c'est ici que voilà j'ai appris à lire et à écrire en arabe, et donc c'est ici mon premier lieu de socialisation. C'était simple de venir parce qu'en fait, ma maison d'enfance, là où j'ai grandi, attends, je vais te montrer. C'est ici ma maison. C'est là où j'ai grandi. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. Ici, derrière cette porte, même si maintenant il n'y a rien, voilà, c'est devenu des ruines. En fait, c'est ici que voilà, j'ai grandi. Ici, c'est le quartier dans lequel j'ai passé toute mon enfance, tu vois, là, les ruelles et tout. C'est ici que j'ai joué. Ça y est, ça va. Ça va. Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Ça va. Ici, on est un peu sur le littoral de la Grande Comore, un peu, tu vois, une ville côtière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une ville qui est à l'image de la Grande Comore. Parce qu'on est sur la côte, on est dans une grande ville, une ville dans laquelle il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais dans laquelle bah, les gens ils font beaucoup, en fait, en termes entre guillemets, d'empowerment. C'est-à-dire qu'en partant des difficultés rencontrées, etc., bah, les gens ils essayent d'y pallier en menant eux-mêmes des actions avec une diaspora qui est fortement engagée aussi dans le financement de ces actions. Et donc, Maduma Kaya. Salam baraka. Mchelewa. Yefania. Salam alhamdulillah. Yavo salama. Ça va alhamdulillah. Randisa, randisa. No, vanu je vais voir ma ore fanya haz. Ah. Ça va arriver voir ma ore ndera fanya haz. La fois avoir djunda yi hot samba nartsu samba. Aussi vous remarquerez que partout, et les personnes qu'on a rencontrées dans cet archipel, en dehors des vieilles personnes, bah, ce sont des personnes qui parlent couramment français parce que beaucoup d'entre eux bah, ont été dans des écoles françaises, parce que la plupart des écoles ici ont été construites pendant, on va dire, la période coloniale, et que malgré le fait qu'on soit aujourd'hui, on va dire, indépendant, on a encore, on va dire, ces liens, ces relations assez fortes avec la France. Mais contrairement à Mayotte, ici, on est dans un pays, comment dire, autonome et indépendant, alors que Mayotte est aujourd'hui un département français, parce que lors du référendum de 1974, puis de 1976, les Mahorais ont tout simplement décidé de rester français. Et donc aujourd'hui, ce territoire est confronté à de nouvelles problématiques qui sont aussi en lien avec le reste de l'archipel, parce que lorsqu'on parle d'immigration à Mayotte, on sait que la plupart des migrants sont des migrants qui sont en provenance des autres îles de l'archipel. Donc là, l'idée, c'est on va essayer d'aller à la rencontre d'un habitant que moi, je trouve personnellement un peu emblématique, parce que c'est quelqu'un qui a deux activités qui sont entre guillemets antinomiques, parce que il est à la fois pêcheur et à la fois professeur d'histoire et super engagé sur les affaires du village. Donc on va tout simplement aller à la rencontre de Soulem Zemchinda, que je connais très bien parce que j'ai l'habitude d'échanger et de polémiquer avec lui sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est parti. Attends. Soulem.
Ça va? Ça va. Ça va bien? Alhamdulillah. T'es prêt? Aucun problème. Voilà. Ensemble, on va essayer de parler l'identité comorienne. Qu'est-ce que c'est qu'être comorien? Et quelle est la différence entre être comorien ou bien se sentir enjoanais, se sentir grand comorien, se sentir maorais, se sentir français? Est-ce que toi, tu te définis comme étant un tsaouénien, quelqu'un de la Grande Comore, ou bien tout simplement comme étant un comorien? Je suis tout simplement des Comores. Je ne m'identifie pas par rapport à ma ville ou bien à ma région. Je préfère tout simplement m'identifier par rapport à mon pays, à ma patrie. Ici, aux Comores, les particularités insulaires ne veulent rien dire. Nous avons la même religion, nous parlons la même langue. Pourquoi, pour toi, c'est important d'être dans cette position, entre guillemets, fédératrice? Ou pourquoi c'est important pour toi de revendiquer une identité comorienne? Nous avons trois éléments qui cimentent notre unité. Il y a la religion, il y a la langue, il y a aussi le grand mariage. On célèbre le grand mariage. C'est un ensemble d'éléments qui caractérisent l'appartenance, les origines des Comoriens. Et pour le cas de Mayotte, le seul lien qu'ils ont avec les Comores, en tout cas aujourd'hui, c'est leur relation vis-à-vis de l'immigration, en disant qu'aujourd'hui, il y a une forte immigration comorienne à Mayotte. Donc, c'est dans le discours, c'est toujours bien de réaffirmer tout ça, mais on voit que dans les faits et dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe en fait. Les Maorais nous considèrent comme étant des étrangers qui vont clandestinement dans leur île pour les emmerder, les empêcher de vivre heureux. C'est pourquoi ils nous considèrent comme étant des étrangers à chasser ou sinon à pourchasser, à refouler. C'est pourquoi tous ces problèmes. Et nous, puisque nous considérons Mayotte comme étant une île à part entière des Comores, on y va clandestinement. Le problème de la délinquance, c'est vraiment regrettable. C'est la responsabilité de la France. C'est à elle de résoudre tous ces problèmes, les problèmes socio-économiques qui sème le désordre à Mayotte, qui fait que les Maorais rejettent la faute aux Comoriens des autres îles. Donc, mais en même temps, c'est un peu antinomique. Tu répètes que Mayotte est comorienne, et pourtant tu dis que c'est la responsabilité de la France, tout ce qui se passe aujourd'hui là-bas. Parce que la France a occupé illégalement l'île Maorais. Et c'est à elle de s'occuper de tous les problèmes qui sont à Maorais. Problèmes du chômage, de la délinquance, etc. De résoudre encore le problème de l'immigration, de faciliter les entrées. Et du coup, pour toi, quelle est la principale raison qui pousserait un Comorien à aller à Mayotte? Ce que j'ai à rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est de dire aux autorités comoriennes d'honorer leur responsabilité de résoudre le chômage qui ronge la jeunesse comorienne, puisque c'est la jeunesse comorienne ou bien ce sont les jeunes comoriens qui laissent derrière eux leurs familles, leurs amis, pour aller à Mayotte au péril de leur vie. On sait que l'immigration clandestine entre les trois autres îles comoriennes et Mayotte a coûté trop cher aux Comores. Ouais. Tu es là.
En fait, comme tous les enfants que vous voyez dans cette plage en train de se baigner, c'est un peu ici que j'ai appris à nager. Et c'est aussi symbolique parce que c'est la mer et parce qu'on est dans un archipel. Et donc là, pour la suite de notre périple, voilà, nous allons traverser pour aller jusqu'en Juan, pour aller à Mutsamudu, avant de reprendre notre voyage vers Mayotte, pour aller à la rencontre des Maorés et des Maoraises, afin de les interroger sur leur identité. Ea usa ya mana ulelo na uombea Zemvuza hae zitende ure Kejuzi ise zo usono tiro deseta mana Tanga e utangiwa tijende semio Zo usono tiro deseta mana Tanga e utangiwa kechila mwiso Wandani kamamba kweli J'ai 21 ans. À Mutsamudu, c'est une ville très, très merveilleuse. Il y a une liberté totale. Tout est permis. Il n'y a pas de délinquance. Tu peux dormir comme tu veux, vivre comme tu veux. J'aimerais bien les étrangers venir ici pour aller visiter notre culture. Ouais. Notre artisanat. Moi, j'aime tous les quatre îles. Ça fait plaisir. Parce que, à cause des quatre îles, c'est comme ça qu'on est en Comores. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'ici, c'est un petit paradis. Alors, ouais. Dans ce cas-là, pourquoi les gens ils quittent ce paradis-là pour aller de l'autre côté? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. Il n'y a pas de boulot à faire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici, mais ils n'ont pas à aller à l'école. Ils n'ont pas de boulot à faire. Alors, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'y aller à Mayotte. Ils disent que là-bas, c'est mieux. Ouais. La vie est belle. Mais moi, je n'ai pas de papier, je n'ai pas... Je n'ai rien, tu vois. Moi, je ne vais pas prendre le risque pour aller avec un quoi ça. Ouais, c'est tout. Beaucoup de gens, les autres ont trouvé de l'école, les autres ne nous ont pas eu. Alors, ils font des délinquances. Ouais. Ils n'ont pas leur nationalité française. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien la ville de Mayotte. Tu vois. Mais ils n'ont pas réussi à avoir leur identité française. Je connais beaucoup de gens qui ont environ 21 ou 19 ans. Ils veulent aller à Mayotte, mais ils n'ont pas réussi à sauver. Ils ont tous noyé à la mer. Si toi, tu avais un conseil à donner à toutes les personnes et à tous les jeunes, par exemple, qui veulent aller à Mayotte, ça serait quoi? J'aime bien lui dire que d'y arrêter, de faire une connerie pour prendre quoi ça, pour aller à Mayotte, parce que c'est un grand risque. Ouais. C'est pas bien d'y aller avec un quoi ça.
Donc là, on se retrouve à Mayotte, à une manifestation contre la soif. Et donc l'idée de notre présence ici, c'est tout simplement aussi d'aller à la rencontre des Mahorais pour savoir leurs revendications à ce propos, et aussi pour essayer de cerner, entre guillemets, leur perception de leur propre identité. Je vous assure, après quelques investigations sur le territoire hexagonal, comme ils veulent le dire, parce qu'apparemment maintenant on dit plus métropolitain, mais c'est hexagonal, impact de 6 bouteilles de 2 litres d'eau, c'est moins de 2 euros. Ici à Mayotte, impact de 6 litres de 1, de 6 litres. 6 bouteilles de 1 litre, c'est pas en dessous de 4,14 €. C'est inadmissible. Donc, le caviar à Mayotte, c'est de l'eau. Le caviar à Mayotte s'appelle l'eau. Parce que pour aujourd'hui, c'est très bien que nous soyons rassemblés ici, mais par contre, c'est pas encore le nombre qu'il faudrait pour montrer que effectivement Mayotte vit dans une souffrance telle que. Qui est vraiment sans précédent. Aujourd'hui, stop au blabla. Place à l'action. On n'a clairement pas d'eau dans le robinet, en tout cas pas d'eau de qualité. Nous avons tous ici un contrat avec la SMAE. Nous sommes une quarantaine de personnes à avoir fait appel à un avocat. On va voir l'avocat pour que. J'ai vécu des situations indignes, moi et ma famille, à nous retrouver sans eau pendant 2 mois, par exemple. Et quand j'ai vécu cette situation, parce qu'on a connu des coupures en 2016, quand on a vécu la situation en 2016, je me suis dit, nos élus vont réagir, il y aura des solutions, ça va changer. Entre-temps, en 2019, je suis partie vivre à La Réunion, j'ai une expérience à La Réunion de 2 années. Et quand je suis revenue, c'était au point mort, ça s'est empiré. Et là, on est en 2023, j'ai décidé de faire quelque chose et nous faisons des choses. Nous sommes une communauté de plusieurs personnes. Je suis partie d'un groupe Facebook, l'eau à Mayotte, nous sommes plus de 2000 personnes. J'ai créé un groupe WhatsApp de plus de 600 personnes. On était vraiment 3 ou 4 au départ. Et puis le groupe a grandi en quelques jours, centaines. Après, on est passé vite à 300, 400. Maintenant, on est 600. C'est une lourde tâche, mais je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et je veux montrer l'exemple, qu'on peut agir en tant que citoyen. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Hein. Quand il a fallu aller dans la rue et que j'ai pris en cours de route une manifestation qui s'organisait le 9 septembre, je n'ai pas hésité et je sais que peut-être il y a des gens qui vont penser que oui, parce que je suis comorienne, que je dis des choses comme ça. Moi, je parle en tant que Française. En tant que Française, on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est une liberté normalement qui est internationale. L'histoire de Mayotte, ce n'est pas l'histoire de la France. C'est Mayotte a été adoptée, si je peux me permettre, par la France. C'est à toute une histoire d'intégration, de pouvoir ramener tout ce qu'il y a à l'Hexagone. C'est du travail, de longue haleine et sur plusieurs années. Et c'est un département français, certes différent, mais il faut comprendre, c'est un jeune, c'est le plus jeune département français. Et il est en train de se construire et il faut lui laisser le temps. Mais nous, en tant que citoyens, peu importe notre nationalité, nous qui avons choisi de vivre sur le département, on a un devoir de participer au développement du territoire. Donc c'est important d'aller jusqu'au bout, n'arrêtons pas là la manifestation. Cette manifestation, c'est juste une annonce. Et on veut que la SMAE s'explique. On attend, c'est la moindre des choses. Et aussi, pour ceux qui veulent faire comme moi, j'ai arrêté de payer mes factures. C'est aussi simple que ça. Je ne paye pas de salle. Et les personnes qui sont avec nous dans le groupe, nous sommes une quarantaine, nous sommes prêts à ne plus payer. Voilà, merci beaucoup. Je suis née en Anjouan. J'ai vécu en Anjouan jusqu'à mes 9 ans. Ça fait partie de mon histoire. J'ai la culture anjouanaise. J'ai des souvenirs d'Anjouan extraordinaires avec ma famille. Ça fait partie de mon identité quand même, d'accord? Après, je suis venue à Mayotte, mahoraise à fond du cœur, parce que j'aime beaucoup cette île. Après, je suis partie en France, j'ai pu être française en France, c'est là que j'ai eu ma nationalité. Et je n'ai pas à choisir, c'est ça la liberté en fait. J'ai pas, quand je suis dans une manifestation comorienne, anjouanaise, le tari par exemple, que j'adore le tari, j'adore chanter le tari, j'adore danser le tari. Je suis bien dans ma peau, je suis à ma place. C'est le contexte en fait qui va dire dans quelle partie de mon identité je vais me ressourcer. Moi, je suis anjouanaise d'origine et alors
quand j'étais pas française, ça ne fait que quelques années que je suis française, et alors, j'étais là, je participais aussi à mon niveau. Moi, je suis contente que Mayotte soit française, et loin de moi, enfin toutes les discussions politiques qu'il y a autour de ça, non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je me bats pour l'eau, parce que si Mayotte n'était pas française, il y a des arguments que je ne pourrais pas sortir. Je ne pourrais pas sortir la Constitution française pour dire « donnez-moi de l'eau propre ». Je ne pourrais pas sortir le code pénal, le code civil, tout ce que vous voulez. Je ne pourrais pas envoyer de mise en demeure. Vous voyez, j'ai des outils juridiques aujourd'hui grâce au fait que Mayotte est française, que je peux utiliser, que je peux mobiliser en ma faveur et j'espère en faveur de la population, en tout cas ceux qui nous rejoindront dans ce combat. C'est important pour vous de prendre part à cette manifestation? C'est important parce que ça devrait l'être pour tout le monde. L'eau, c'est la vie, c'est un droit. On devrait tous avoir de l'eau potable dans nos robinets. On ne devrait pas venir nous dire oui, l'eau, elle est potable, mais il faut la réchauffer pendant je ne sais combien de temps. Qui a le temps de faire ça? Et ce n'est pas à nous de faire ça. Si la SMAE, si l'ARS n'a pas réussi à traiter l'eau, est-ce que c'est la population qui va pouvoir faire ça? C'est un droit. Et ce n'est pas à nous de faire ça. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que je manifeste mon mécontentement par rapport à ça et surtout par rapport à l'avenir. Comment est-ce qu'on va faire pour nos enfants? En fait, ça impacte tout. Ça impacte toute notre vie. Ah, je suis d'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous-même, vous avez été impacté par cette difficulté. Dans quel sens? J'ai été impacté par ça parce que j'ai bu de l'eau de robinet qui n'était pas potable. Et j'ai été malade jusqu'à être hospitalisée. J'ai eu la fièvre typhoïde. Et j'ai été hospitalisée pendant un mois et une semaine par rapport à cette problématique d'eau. Je suis là parce que je suis aussi une citoyenne de Mayotte qui a soif. La crise actuelle n'est pas nouvelle. C'est une crise qui a commencé fin 2016. Toutes les infrastructures étaient mises sur table en termes de programmation. Depuis 2017, je témoigne parce que j'étais maire de Sada, gestionnaire d'une commune qui était coupée. La commune de Sada qui faisait partie des 8 communes du sud, coupée en 2017. Donc ce n'est pas une crise nouvelle, c'est une responsabilité collective. L'État est là pour contrôler le bon usage des fonds publics. Et ça, c'est valable pour toutes les collectivités, les mairies, le conseil départemental, les syndicats. Eh bien, l'État est là, c'est vraiment son contrôle, contrôle de l'égalité, pour bien savoir que les fonds publics sont utilisés à bon escient pour les infrastructures de la population. Donc il y a une responsabilité de l'État, on ne doit pas se voiler la face aujourd'hui. Comment vous réagissez sur le fait que dans un département français, on soit aujourd'hui... Il n'y a pas de volonté de l'État de développer ce territoire. Nous sommes en train de manifester pour de l'eau, un besoin fondamental. Sans eau, on ne vit pas. Sans eau, on ne vit pas. Sans éducation, le système éducatif est mort. Sans éducation de nos enfants, c'est un pays en déperdition. Donc il est normal qu'aujourd'hui le peuple se soulève. Et en tant que citoyenne, ancienne élue, je soutiens fortement ce mouvement. Pourquoi tu t'es sympa quand tu as fait mon père et tu es sous-sous.
Donc là, on est à Kwambani. On va à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui s'appelle Mohamed, qui a quitté la France hexagonale pour venir s'installer à Mayotte pour travailler dans les métiers liés à la terre. Et donc là, on va justement aller voir sa pépinière pour qu'il nous explique un peu ses activités. Mohamed. Salut Nafal, ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Bah, merci de nous accueillir ici chez toi et dans ta pépinière. Mmh. Est-ce que tu peux nous montrer un peu à quoi consistent un peu tes activités ici dans la pépinière? Là, pour le moment, comme tu peux voir, j'ai récupéré cet emplacement qui appartient à ma mère pour que je puisse en fait faire une espace boutique pour les ventes des différentes fleurs que je vais vendre, quoi. Peut-être toi, quand tu viens ici, ce que tu vois, c'est les champs, les malavounis. Mais moi, j'ai déjà toute une vision de ce que je vais faire là, quoi. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand même, tu es diplômé du supérieur, tu étais ingénieur en France. Ouais. Pourquoi tu as fait une croix sur tout ça? C'est pas compréhensible. Comment toi, tu t'es dit, je vais renoncer au confort de vie de la France pour venir travailler, entre guillemets, dans les champs, dans les malavounis, comme vous dites ici. Les malavounis. Malavounis. Oui. Oui, bah, comme je t'ai dit, moi, de base, j'ai jamais été très à l'aise en métropole. Je me sentais pas réellement chez moi. Parce qu'il faut pas oublier aussi que j'ai passé 4 ans aux Comores. Et ces 4 ans, j'ai pu développer un peu un instinct de blédard. Tu vois, les champs, les manguiers, tout ça, c'est quelque chose qui me manquait. Des trucs que je pouvais pas avoir en métropole. Donc, je sentais qu'il manquait quelque chose. C'est vrai qu'en France, j'avais mon confort, j'avais un bon salaire. Mais c'était ça, métro, boulot, dodo. J'arrive ici, je me lève à l'heure que je veux, je profite de la nature, je vais à la plage. Là, tu as vu, là, bientôt, c'est la période des mangues. Là, j'attends juste de pouvoir me poser, pouvoir les manger tranquillement, tu vois, sans prendre la tête. Beaucoup de jeunes Mahorais ont tendance à quitter Mayotte pour aller s'installer à La Réunion ou bien en métropole. Et toi, tu as fait le contraire. Donc du coup, dans l'état d'esprit ou même dans la vision de beaucoup de gens, ils diraient ce jeune homme, il est complètement fou. Ouais, mais rendez-vous dans quelques années. Là, on va voir le labo du coup. Ouais. Là, comme tu peux voir le labo. Là, c'est les différents pots que j'ai préparés, sachés ces 2 derniers jours, quoi. Okay. Là, on a des palmiers. Parce que là, peut-être que vous ne les reconnaissez pas, mais là, on a des palmiers. On a des orchidées tout derrière, des hortensias. Ok. Différents petits. Tout ça, normalement, devrait être bien grand d'ici 2 à 3 mois. Ok. Ouais. Là, c'est bon. Donc là, on vient de quitter, entre guillemets, les malavounis. Ouais. Ce qu'on appelle les champs. Où est-ce que tu nous amènes maintenant? Bah là, je vous emmène en ville. Ok. À Ladazone. Ok. C'est. Une petite brochetterie que j'ai ouverte sur Kwambani. Ok. Et c'est une sorte de. C'est le kebab maoré, quoi. Tout le monde, quand ils ont envie de manger un petit truc en rapide et pas cher, bah, part dans une brochetterie. Comme en France, par exemple, t'as faim, tu veux manger rapidement, tu vas dans un kebab. Okay. La brochetterie, c'est pareil à Mayotte. Ok, bah, allons-y alors. Let's go. Let's go. Rail. Tout à l'heure, en arrivant ici, tu nous parlais de ta ville, de Kwambani, en nous disant que c'est une ville assez particulière à Mayotte. Pourquoi c'est une ville particulière ici à Mayotte? Kwambani, en fait, est située en plein centre de Grande Terre. Ce qui fait que les gens du Nord, quand ils veulent partir vers le Sud, leur chemin le plus rapide, c'est en passant en fait par Kwambani. Et du coup, Kwambani a aussi son histoire. Comme tu as pu le remarquer, ici à Kwambani, la langue principale, c'est le Shingasdja. C'est pas le Shimaoré? Non, c'est pas le Shimaoré. C'est le Shingasdja parce que les fondateurs de Kwambani en soi sont des Comoriens. Ce qui fait que, comme moi, je suis un exemple tout court, ma mère est comorienne maoraise et mon père est comorien. Donc du coup, la langue comorienne, elle reste aussi imprégnée dans le secteur, quoi. Toi, tu te sens en tant que Français, parce que Mayotte est française. Est-ce que tu te sens en tant que Mahorais, parce que Mayotte a une identité? Ou bien tu te sens en tant que Comorien, parce qu'en réalité, on est dans l'archipel des Comores.
Ou bien même, tu pourrais te sentir en tant que, entre guillemets, un Mgazidia, parce que ton père vient de la Grande Comore, ou bien tout simplement un Africain. Parmi tout ça, toi, tu te définis comment? Moi, je me définis comme Comorien, mais en large. C'est-à-dire? Je suis un Anjouané, un Comorien, un grand Comorien, un Maoré et un Moilien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que partout où je serai dans ces quatre îles, je me sentirai chez moi. Ok. Ouais. Et du coup, comment tu définirais le territoire de Mayotte? Parce que du coup, là, on t'a défini toi. Toi, comment tu définirais Mayotte? Est-ce que tu dirais que Mayotte est africaine, Mayotte est comorienne ou Mayotte est tout simplement et uniquement française? C'est une question très compliquée. On va dire que, en soi, légalement, Mayotte est française. Parce que les lois sont des lois françaises. La réglementation est la même qu'en métropole. Ça. Donc du coup, je considérais plutôt que Mayotte est française. On va pas se mentir, on sait aussi qu'à Mayotte, il y a pas mal de xénophobie, principalement à l'égard des Comoriens. Lorsque tu vois certains reportages, quelle réaction, qu'est-ce que ça te fait toi en tant que personne? Bah, ça me blesse. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je me sens comorien en global. Et puis après, il ne faut pas oublier que l'archipel des Comores, elle est composée des quatre îles, dont Mayotte. C'est vrai qu'elle est dirigée par le français, mais on ne change pas les cultures, on ne change pas le sang, comme nous dit notre hymne national, que « Wasi wa Komoro la Munzima ». Tu vois, parce qu'en plus, quand il dit Wakomoro, c'est une globalité. En juin, Moali, Mayotte et Grande Comore. Toi, justement, quand on dit à Mayotte, il y a trop d'immigrés, est-ce que tu trouves, toi, personnellement, qu'il y a trop d'immigrés à Mayotte? Est-ce que les gens qui viennent de la Grande Comore, qui viennent d'Anjouan et de Moali, tu les considères comme étant des immigrés ici? Moi, je ne les considère pas comme des immigrés, ils sont aussi chez eux. Mais comment dire, moi, j'ai l'impression que on s'acharne beaucoup sur les Comoriens à Mayotte. Toi, le mot que tu aurais les propos que tu voudrais adresser à la jeunesse comorienne en général, issue des quatre îles, c'est de revenir et de s'investir ou d'investir ici? Yes. Parce que ici, on est chez nous. C'est vrai qu'on va nous dire que la France, c'est chez nous, parce qu'on est de nationalité française. Mais moi, en ayant vécu en France, j'ai vécu pas mal de choses comme le racisme, le mépris, et surtout quand je vois des personnalités publiques comme Marine Le Pen, je me dis qu'un jour ou l'autre, ça va pas être le meilleur endroit où on sera jamais en fait les bienvenus quoi. Ouais, mais justement, et comment toi t'expliques le fait que Marine Le Pen elle a fait un carton ici à Mayotte, malgré tout? Bah tu l'as dit par toi-même, il y a une certaine haine à Mayotte qu'ils ont envers soi-disant immigrés. Ce qui fait que, voilà, vu que Marine Le Pen, elle n'aime pas l'immigration, bah, ça colle un peu avec les ambitions mahoraises, quoi. La vérité reste la vérité. Tu peux la cacher, la déguiser ou même la nier. T'auras beau être français sur papier, faut dire ce qui est. Tu restes juste un aigle facile à plier. Rien que pour le succès, combien sont prêts à vendre leur âme, faire l'impasse sur les crasses qui poussent les droites l'homme jusqu'à l'excès. Mayotte, française ou annexée, car chaque jour les chiens de la République ne cessent de nous vexer. Pour un simple contrôle de papier, on se fait braquer, humilier, bafouer jusqu'à notre propre humanité. Trop de choses que je ne peux mettre en aparté, tant que mon île vivra sous apartheid. Violation de domicile, ce mandat, ils appellent ça la justice. Des contrôles qui tournent au racket, fils, vis ce qu'on vit. Donc là, on vient d'arriver à Mayotte et beaucoup plus précisément à Petite Terre. Et là, on va aller à la rencontre de Zetsi, un militant engagé, un artiste qui œuvre auprès de la jeunesse. Et on va tout simplement essayer d'en savoir un peu plus sur sa perception de l'identité mahoraise. Ça va. Ça se passe. Ouais. J'ai grandi à Paris, j'ai grandi dans les,
dans les ghettos français, les ghettos parisiens. Donc, en arrivant chez moi ici, je vois que c'est en train de devenir comme là-bas. Par exemple, quand tu venais d'un endroit comme Grigny, tu vas postuler quelque part, tu étais fiché direct déjà comme quelqu'un de dangereux. Et je vois ça aussi ici, quand tu as des gamins issus de ces quartiers d'en haut, là, ou dans certains quartiers comme la Vigie, c'est, en fait, il y a cette exclusion-là qui est en train d'arriver. Ça, c'est les points en commun que je trouve, en fait, on sent l'exclusion. Donc, toi, Dzetsi, qui tu es? Parce qu'en réalité, tu pourrais te considérer comme étant un banlieusard, tu peux être considéré comme étant un Mahoré, tu peux également te considérer comme étant un Français ou même un Comorien lorsqu'on parle plus globalement de l'archipel, ou même un Africain lorsqu'on parle du continent. Donc, si tu devais retenir parmi, on va dire, toutes ces origines, laquelle te tient le plus à cœur, toi, Zetsi? Moi, je suis un Africain. Un Africain. Il y a les Africains du continent, il y a les Africains des îles. Je suis un Africain de Mayotte, qui est une île des Comores. De nationalité française. Pourquoi j'ai pris la nationalité française en dernier? Parce qu'avant la France, j'étais tout ça déjà. Tu vois, la France, c'est juste un ajout. On voit que beaucoup de Mahorais rejettent toutes les autres formes d'identité en ne gardant que, entre guillemets, leur identité nationale, le fait qu'ils appartiennent à la nation française. Et l'expression de cette fierté ou de cette appartenance à la nation française est souvent exprimé parfois avec virulence, ce qui amène à donner une image entre guillemets xénophobe du Mahoré à l'extérieur et notamment en France entre guillemets métropolitaine. Toi, comment tu t'expliquerais cela? Le Mahoré n'est pas raciste, loin de là. C'est quelque chose de hérité. C'est qu'on a tendance à vouloir qu'il le devienne en fait. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et ça c'est l'État, moi je ne vais pas par quatre chemins, chaque fois qu'il y a quelque chose qui... J'ai l'impression comme si l'État est en train de nous focaliser vers une certaine chose pendant qu'il fait... Il y a les manquements derrière, il ne fait pas son boulot. Par exemple là, on est en 2023, le 8 septembre 2023, à Mayotte, il y a des foyers qui n'ont pas d'eau. Et ils vont dire... Ouais, c'est normal parce qu'il y a trop de clandestins qui utilisent de l'eau là-bas dans les barrages, dans les... ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Nofal, toi, tu es mon frère. Tu es originaire de l'autre côté, moi, je suis ici. On est là ensemble, on mange, on rigole, on discute. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à vouloir amener. On pourrait même croire que moi, je suis d'ici et que toi, tu es voilà. De l'autre côté voilà. Si on ne le dit pas. Voilà. Ou bien qu'on est tous les deux d'ici voilà. Ou tous les deux de l'autre côté. C'est l'histoire de Mahoré raciste. Ça, c'est un mythe. C'est une image qu'on a envie de nous coller. Mais en même temps, il y a aussi des éléments qui le prouvent. Le discours de certains, pour ne pas rentrer dans les détails, mais que ce soit du côté des élus Mahorais, que ce soit aussi du côté de la population, on a aussi ce discours, entre guillemets, xénophobe. Et d'ailleurs, qu'on a du mal aussi à qualifier parce que, pour moi, est-ce que c'est vraiment du racisme? Parce que c'est son image, c'est soi-même qu'on rejette déjà. Ou comment toi, d'ailleurs, t'expliquerais cela en fait? Si pour toi, ce n'est pas du racisme, c'est quoi? On dit que tous les problèmes qu'il y a à Mayotte, c'est à cause de l'étranger. Tu vois? C'est un désert médical. On va dire que c'est à cause de l'étranger. Tout ce qu'il y a, c'est l'étranger en fait, le problème. Tu as un gamin qui est à Mayotte, tu lui donnes une carte de séjour, tu lui permets d'aller à l'école. Le gamin fait toutes ses études, il a son bac avec mention. Arrivé au bac terminus, tu ne peux pas aller plus loin. On ne te donne pas de visa pour aller continuer. Ce gamin-là, il va faire quoi de sa vie? Tu vois? Et tu les trouves, ces gamins-là, qui ont quand même quelque chose dans la tête, qui se retrouvent être le boss des bandes qu'on a là. Parce qu'il a la rage. Et ce gamin-là, quand il va se révolter, contre l'État, il va commencer à créer des bandes, à créer la merde, et tu iras l'État français et dire, tu vois, ça c'est un gamin étranger, ça, tu le vois là. Et les moutons vont suivre, bien sûr. Et c'est là où le Mahoré se retrouve à se dire, tous ces mots viennent de ces gens-là. Tu as le gamin qui est né là, mais tu expulses ses parents et tu le laisses là.
ce gamin, il va vivre où? Il vit où? Aujourd'hui, il vivra chez un tonton, demain, et ainsi de suite. Et puis, à un moment, il n'arrive plus à vivre et à suivre. Il est dans la rue. Et il est recueilli par les autres potes qui forment des gangs, et ainsi de suite. Et ils sont devenus les boucs émissaires de notre misère. Donc, Zetsi, tu nous as beaucoup parlé des jeunes et de ce que tu fais un peu avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, toi, tu essaies de faire passer le message avec cette jeunesse un peu? La plupart des jeunes, à l'heure actuelle, sont toujours avec la musique. Tu vois, c'est le... Et la musique est un moyen de communiquer aujourd'hui, de les approcher, c'est une passerelle. Donc moi, j'ai choisi cette passerelle pour aller vers eux. Parce que tu vas du coup nous montrer l'endroit où tu les retrouves pour les ateliers? Oui, c'est Dagoni la Vigie. Okay. C'est une sorte de maison des associations. Là, tu vois des nouveaux arrivants. Ah, ok. Peut-être chassés quelque part ou des choses comme ça. Ah ouais? Ouais. Donc le camion qu'on voit devant nous, là, c'est des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants du quartier. Ouais. Et ça, c'est leurs affaires qui sont... C'est leurs affaires. Tu tiens dans un camion. Ouais. Est-ce que tu vois une armoire? Tu vois quelque chose? Non. Juste on a l'impression que c'est un camion poubelle, en réalité. Voilà. C'est ça. Malheureusement. Tu vois? Et on est en France. Et je le dis. Donc la maison, là où on va, c'est à... une sorte de maison des associations. Okay. Où il y a pas mal de... on fait pas mal d'ateliers dedans. Okay. Chacun essaie de... poser sa pierre à l'édifice, quoi. Okay. Et à l'intérieur, il y a un petit studio improvisé. Okay. Et là, on reçoit les jeunes. Ah. Et ça allume tous les 3 ans. Bah, ouais. Bienvenue au studio. Bah, merci. Merci, merci. Donc c'est ici que... Ouais, c'est ici où on fait avec les moyens du bord. En tout cas, merci Zetsi de nous avoir embarqué dans ton monde aujourd'hui. Ah, de rien. Vous êtes les bienvenus. Merci. Quand vous voulez, venez ici. Même les gars qui sont là-bas en France, venez nous voir. Ça fera des connexions et ainsi de suite. Quoi. J'ai vécu tant de choses dans la vie. Des beaux et des mauvais me contrôlent à moi. On m'a toujours dit à la maison, fils surveille tes arrières. Y'a des langages codés, si t'es pas la rue te guidera. Y'a toujours des hauts comme des bas. Le feu va, toi la rue te guidera. Personne ne veut voir personne. Tes amis ce sont tes ennemis. Si pas vous victime, tu resteras le même. Ouais. Ah oui. Tes potes, j'en ai eu beaucoup. Y'en a certains qui ont trop vite oublié ce que j'ai fait pour eux. Peu importe le nombre de choses que j'ai pu réaliser pour eux. Nombre de fois je me suis cassé le cul pour eux. Nombre de fois je me suis... Et toi, t'as grandi ici, toi? Oui, moi j'ai grandi ici parce que depuis, je suis né en 1994. Mais on a monté, mes parents ils ont monté ici parce qu'ils ont pu acheter un terrain ici en 1994. J'étais encore bébé. Du coup, j'ai grandi ici. C'est là où j'ai vécu toute mon enfance. J'ai quitté la Vigie, c'était en 2017 quand je suis marié. Je suis redescendu sur l'abattoir. Mais toute mon enfance, je l'ai passé à la Vigie. Ok. Et du coup, quel lien tu as encore aujourd'hui avec la Vigie puisque tu n'y habites plus? Ben, c'est ici que j'ai grandi. J'ai tout ici, ma famille, mes amis. Tu vois, ici, je suis comme un grand frère, tu vois. Après, j'ai l'occasion aujourd'hui, je suis médiateur, tu vois. En tant que médiateur aussi, ça me facilite la tâche parce que je bénéficie aussi que j'ai pu aider les autres dans les besoins, que ce soit pas forcément dans les démarches administratives, non, mais des conseils, tu vois, leçons de vie, ce genre de trucs. Du coup, ici, c'est tout pour moi, en fait. Parmi ces jeunes, beaucoup, et lorsqu'on parle souvent de Mayotte, beaucoup insistent sur, entre guillemets, une forme de xénophobie, une forme de racisme. Est-ce que les jeunes que tu suis, toi, ils vivent cela? Un jeune, aujourd'hui, il a fait ses études, il aimerait partir. Il se retrouvait coincé à Mayotte. Il ne peut pas partir parce qu'il est en situation irrégulière, il ne peut pas partir. Du coup, pour lui, il prend ça, il le prend mal, en fait. Thomas. Non, il veut prendre une photo avec cette machette. Je lui ai dit non, pas de photo avec la machette. C'est... Non. Soit il prend la photo toute seule, mais pas la machette. Ah, on ne fait pas ça, des machettes comme ça, non. Et du coup, la photo, ça y est, il ne veut pas la faire.
Ah, mais il ne veut pas la faire parce qu'il n'y a pas la machette. Elle a préféré partir. Mais tant pis pour toi. C'est une ville, hein, c'est même pas un quartier. Chacun d'entre nous, c'est là qu'on a appris à jouer au foot. Ok. Ah, sur... Ouais, ouais. Là, il n'y avait pas. Il y avait juste un petit terrain. Il n'y avait pas de maison à l'époque. Okay. La plupart de tout le monde, c'est là qu'on a appris à jouer au foot. Parce que descendre à l'abattoir pour jouer, vu avec. Tu vois. On avait peur qu'on va se faire taper, tout ça. Okay. Du coup, nous tous, la plupart de la majorité, c'est là qu'on approche au foot. Ok, ça marche. Et la musique, elle est bien. Ouais. Non, mais après, je sais pas. Non, hey, Lucas, faut pas me filmer. Tu vois, on organisait même des tournois avec des trophées, là. Ah, c'est le lourd. Il s'appelait Mladzouhar, le cocotier milieu. Ah, Mladzouhari, cocotier milieu. Bientôt, ça va être une troisième commune sur Petite Terre. C'est vrai? On l'espère. On l'espère. Ouais, parce que c'est une grande ville quand même. C'est une ville, comme il a dit, c'est plus un quartier. Mais les gens, ils diraient, c'est pas une ville, c'est pas un quartier, c'est un bidonville aussi. Exactement. Parfois, il y a des affrontements entre bandes de jeunes. Tu vois, ici à la vigie, ouais. C'est que le fait qui fait que même s'il y a ces affrontements-là, ouais. La gendarmerie ne peut pas intervenir. Ok. C'est-à-dire que les habitants, eux, ils vont souffrir. Ils vont encaisser ça parce que la gendarmerie ou la police ne peut pas intervenir. Tu vois, parce qu'il n'y a pas accès des routes pour qu'ils puissent eux monter ici. Et aussi, il n'y a pas de lumière. Ils ne vont pas aussi prendre des risques, monter à pied. On a pas mal essayé de parler avec eux, de dire que c'est bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, pourquoi vous ne faites pas la paix, qu'on puisse vivre ensemble, tu vois, dans la tranquillité. Ouais. Parce que même la population, ils sont fatigués en fait. Et toi, tu nous as même insisté aussi sur le fait que beaucoup de choses qui se passent ici, on stigmatise le plus souvent uniquement les enjoanés. Pourquoi? Pourquoi tu as ce ressenti-là, toi? Eh ben, c'est ça ce qu'on attend, ce que les gens disent, en fait. Ben, moi, en tant que Comorien, ce que j'entends, c'est pas forcément des enjoanés, on dit les Comoriens. De très loin, on dit les Comoriens. Ben, mais toi, tu nous dis ici... Ben, non, à Mayotte, ici, surtout, c'est les enjoanés. Les Comoriens, c'est rare qu'on attend. C'est ça ce que les gens disent. La plupart du temps, tout le temps, c'est les enjoanés. Même si c'est un Comorien qui a fait cet acte-là, on va dire les enjoanés. Et pourquoi les enjoanés? Mais c'est ça la question que moi, aujourd'hui, je me pose. J'arrive pas à comprendre, j'ai pas de réponse en fait. Mais en même temps, moi, de très loin, j'ai l'impression que les Mahorais d'aujourd'hui, ce sont souvent aussi des enjoanés. J'ai l'impression que c'est des enjoanés eux-mêmes qui stigmatisent les enjoanés quand même. Mais c'est ça. Moi, je suis né en enjouan, je vais à Mayotte, j'ai ma nationalité française. Je oserais dire à Fachad que toi, tu es un enjoanien. Tu vois ce que je veux dire? Or que moi aussi, je viens de là-bas, mais c'est juste que moi, j'ai eu la chance d'être français. Le fait d'être français, je oserais dire à Fachad que toi, tu es un enjoanien. On doit admettre notre origine, on doit admettre nos couleurs de peau, on doit admettre notre sang. Moi, je suis en disant, voilà, moi, je suis métissé. Moi, tu es comorien. Moi, tu es maoré. Voilà. Non, après aussi à Mayotte, parfois on est obligé de dire qu'on est maoré puisqu'en juin c'est une question d'avoir la paix, okay. D'éviter les embrouilles. Okay. Parce que je peux être en métropole, je peux dire que moi je suis enjoanais, je suis maoré, je suis peu importe. Voilà, je serai tranquille. Ouais. Mais à Mayotte, devant les gens, je dis hey, moi je suis un enjoanais. Oh, ils vont dire oh ta gueule déjà, t'as pas ta place. Désolé pour le thème, ils vont dire oh t'as pas ta place ici. Hein. Ouais, du coup, ils ont peur de dire que je suis enjoanais. Ils préfèrent dire que hey, c'est bon, je suis plein enjoanais, je suis maoré. Mon père, c'est François Hollande, à part d'aujourd'hui. Parce qu'il nous a dit ça. Il est venu. Ouais. Hey, les gars, à part d'aujourd'hui, mon père, c'est François Hollande. Comore en joie, basta, on enterre. Okay, tu vois, c'est parce que, tu vois, il veut qu'on se rallie, il a peur. Du coup, il a peur. Du coup, il est obligé d'oublier d'où il vient, en fait. Lini dunia, zena langina, wana tajundrua, armatunia langina. Lini dunia, zena langina, wana tajundrua, armatunia langina. Lini dunia, zena langina, wana tajundrua, armatunia langina. Lini dunia, zena langina, wana tajundrua, armatunia langina.